a pretty car. I seen a pretty ponytail. BoostCafe.com, check it out. I appreciate you, my brother. Yeah, bad boy. Cool. Who's next? Cool, what's up, baby? Y'all moving slow. See you, bro. Juste pour que les gens y sachent. Comment toi tu t'as fait pour t'implanter au state et avoir cette crédibilité là et que les gens te fassent confiance, parce que c'est rare, enfin ça se fait, mais j'allais dire c'est rare. Oui, il y a quelques personnes qui l'ont fait comme des Guetta et tout, mais vous êtes peu à être là-bas et à vous installer et à faire votre blaze. Moi je l'ai fait d'une manière simple en fait, tu vois. C'est-à-dire que l'idée en fait c'est que quand j'avais fini mon R&B en fait sur un gros concert à Bercy. On avait fait sold out, tu vois, c'était complet et tout. Et le R&B à Bercy, je l'avais pas fait pour l'oseille, en fait, tu vois. Je l'avais fait juste, tu sais, par fierté de dire, voilà, on fait des beaux trucs, tu vois ce que je veux dire, et on y va et on avance. Et tout ce que j'attendais sorti de cet événement, tu vois, au-delà, si tu veux, de l'apport, tu vois, que Sky nous avait donné, et sans Sky, on n'aurait pas pu le faire comme ça, tu vois. Ils ont vraiment joué le jeu à l'époque, tu vois, et c'était chambé. Tu t'aperçois, si tu veux, que passer l'adrénaline, tu vois, du concert le samedi soir, tu vois, le dimanche matin, il se passe que dalle, en fait, tu vois. Je m'étais dit peut-être des petites coupures de journaux, des trucs, tu sais, un bel événement, tu vois, ils savent parler de nous que quand c'est la merde. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me suis dit, tiens, on va faire ce truc-là. Et en fait, ça m'a saoulé, tu vois. Et le mardi, j'ai pris mon billet d'avion et je me suis barré à Miami. T'avais un truc à faire ou tu t'es dit... Non, en fait, le truc, c'est que je voulais réanimer la magie du débutant, tu vois. Dans le sens tu vois, j'avais... Ça fait des années, tu vois, que grâce à Dieu, tu vois, ça se passe bien pour moi ici et qu'on score et qu'on fait des belles choses, tu vois. Mais je me suis dit, vas-y, là, tu sais, j'ai envie de faire d'autres trucs, en fait. J'ai envie de faire d'autres trucs parce que tous ces clichés, c'est ce truc de chacun dans des cases, tu vois, ça me pèse à un moment donné. Je me suis dit, je vais me barrer. Et moi, le seul mec avec qui je voulais bosser, c'était Rick Ross, tu vois. Okay. Rick Ross, pour moi, sa musique, tu vois, c'est... Jusqu'à aujourd'hui, tu vois, c'est une musique qui me parle, qui... Tu vois, que je kiffe, que tu vois, tout, le lifestyle, tout, tu vois. Et du coup, je suis parti à Miami parce que lui était à Miami, tu vois. S'il avait été ailleurs, bon, bah, tu vois, j'aurais bougé. Et en fait, arrivé là-bas, tu sais, je me rappelle les premières semaines, tu vois, j'ai loué les grosses caisses, les trucs, les machins, les gros studios. Mais en fait, tu sais, ça me ressemble à, tu vois, donc c'était un peu maladroit, donc il s'est rien passé, tu vois. Et en fait, le truc tout con que j'ai fait, si tu veux, c'est qu'il y avait une des vidéos. En fait, quand le joaillier, si tu veux, ferme la porte, il y a l'adresse du joaillier. Et du coup, j'ai bombardé là-bas. Et les ricains, tu sais, c'est dans un premier temps, il y a que l'oseille qui parle, tu vois. Donc, je suis arrivé, je me suis acheté une montre, une belle petite montre. Celle-là ou... Non, pas celle-là. Une autre. Et j'aime bien les montres. Ouais. Et donc, si tu veux, du coup, j'étais un bon client, tu vois. Et là, en fait, je tombe sur le père du joaillier, si tu veux, et je lui dis, écoute, voilà, il me dit, t'as fait un très bon choix, machin et tout. Et je lui dis, merci, je lui dis, en fait, la montre, je m'en tape, si tu veux, c'est ce que je veux, moi, c'est travailler avec Rick Ross, tu vois. Et là, le mec s'éclate de rire. Parce qu'il me dit, j'en peux plus, moi, tu sais, depuis qu'il a posté les vidéos, mon fils, il pense que, tu vois, c'est un studio d'enregistrement ici, tu vois. Et du coup, si tu veux, j'ai rencontré le fils. Le fils m'a introduit au banquier privé, si tu veux, de Rick Ross, qui est devenu mon ami par la suite. Et trois jours après, j'étais chez Rick Ross, si tu veux, et chez lui, tu vois, dans sa maison. Et quand je suis arrivé chez lui, il a commencé à écouter les sons et il a dit, ouais, c'est sérieux. De là, il m'a bloqué une prod qui est devenue la prod du Wale feat Kid Cudi, tu vois, sur l'album de Wale. Et après, on est devenu, si tu veux, moi, j'ai beaucoup développé aussi le côté... C'est vrai, simple, cool, tu vois, et le côté poteau, donc on est devenus des potes, tu vois, un peu tous ensemble. Et mon but, c'était de continuer à construire le pont qu'il y avait entre la France et les US, tu vois, et à bosser comme ça. Donc de là, après, j'ai rencontré E-Class, tu vois, qui est un des tauliers de la Floride, tu vois, c'était le premier producteur de Rick Ross. Il produisait Pitbull, Florida, bref, tous ces mecs-là. Et c'est des gens qui m'ont vraiment, vraiment aidé, tu vois. J'ai eu une aide là-bas que j'ai pas ressenti pareil ici, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc
Donc de là, j'ai continué. Et après, on est rentré, si tu veux, dans un truc normal, tu vois, avec French, avec et toute l'équipe, tu vois. Et même le concept que j'ai eu, si tu veux, de Arabe ou d'attitude, tu vois, qui peut paraître segmentant comme ça, mais qui ne l'est pas, en fait, tu vois, si tu veux, c'est pas du tout... C'est pas un truc pro-rebeu. Non, ouais, c'est pas du tout un truc pro-rebeu, c'est pas un truc pour rejeter les gens, au contraire, c'était en référence un peu à NWA, ouais, dans le sens de, vas-y, tu sais, faut bouger, tu vois. Faut bouger, tu vois, si tu fais un truc bien, tu vois, tu t'occupes bien de ta mif, tu gères bien tes affaires, tu vois, t'es pas fermé aux gens, tu vois, t'es un AWA, tu vois ce que je veux dire. Et c'est cet esprit-là. Et ce truc-là, il est parti des US, tu vois. Justement, avec Rick Ross, un soir, on parlait de ça, tu vois, comme ça. Et après, je me suis mis à faire des petites casquettes pour Gorilla machin, ils ont adhéré au délire. Et du coup, on a repris un peu ce concept, tu vois, parce que le meilleur ambassadeur qu'on pouvait avoir, tu sais, d'une manière claire, limpide, tu vois, pour ça, c'était la crime, en fait, tu vois ce que je veux dire. Et c'est devenu notre truc à tous. Okay. Tu vois. Et là-bas, c'est bon, t'es installé là-bas. Ouais. Maintenant, c'est... Ouais, je suis installé. Normal, ouais. Ouais. Là-bas, je suis installé. J'ai des projets là-bas. J'ai mon label aussi là-bas, tu vois. Mm-hmm. Je développe pas mal de trucs. Et après, il y a des ramifications, tu vois, avec des teams, des gens, tu vois. Juste XO, tu vois, par exemple, le label de The Weeknd, tu vois, c'est Cash, tous ces mecs-là, c'est la famille, Danny Boy, tu vois. MMJ, Cockboy avec French. Et du coup, on essaye, si tu veux, de développer des trucs aussi en Europe, tu vois. Je suis rentier, les temps, t'en ressors amoureux. Pour ceux qui font des sous comme nous, et W est dans le sang, on vous mettra à genoux. Nouvelle caisse, nouvelle Yas, Rolls Royce, pétasse. J'ai vu que vous avez signé. Ouais. Alors, tu peux m'expliquer ce truc-là avec Spiff TV? Ouais, Spiff. Spiff. Alors, Spiff, si tu veux, pour ceux qui ne le connaissent pas, Spiff à la base c'est un réal de clip, mais c'est un petit génie, si tu veux, c'est aussi un découvreur de talent. Tu vois, pour l'anecdote, c'est lui qui a des... Là, je m'adresse plus aux jeunes producteurs, tu vois, aux jeunes mecs, aux jeunes compositeurs. C'est lui qui a découvert Lex Luger, c'est lui qui a découvert Mike Will, tu vois. Il a découvert plein de mecs et il est devenu influent avec le temps. Et c'est un mec de réseau, c'est un mec qui a une oreille de ouf, tu vois, qui sait reconnaître, tu vois, les bons morceaux. Il a ramené parmi les plus gros hits, tu vois, il a ramené le BMF à Rick Ross, par exemple, tu vois, il a ramené le sur l'album de Jay-Z, tu vois, le morceau avec Rick Ross, c'est lui qui l'a ramené, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et après, l'idée, si tu veux, lui il est portoricain. Et du coup, c'est, si tu veux, il a commencé un projet un peu latino rap, tu vois. Ouais. Donc moi, je l'ai continué avec lui. Et dessus, on a fait poser plein d'artistes internationaux, tu vois, dont Rick Ross, Juicy J, Didi, tu vois, plein de gens. Et c'est des combinaisons latino, tu vois. Donc ça me rappelle, moi, si tu veux, un petit peu dans... Ça me rappelle un peu R&B, mais c'est du R&B 7.0, tu vois, c'est un autre délire. Et même dans... Ça me rappelle R&B, mais même socialement, si tu veux, c'est sociologiquement parlant même. C'est-à-dire que, tu vois, les migrations sud-nord, tu vois, d'Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord, bah, c'est comme Afrique du Nord vers l'Europe, tu vois. Et du coup, c'est un peu le même mode de fonctionnement, sauf que là-bas, ils sont beaucoup plus organisés. Et l'idée, c'est que le projet, on l'a signé chez Def Jam. Def Jam que je dédicace aussi, Def Jam France, tu vois, de toute l'équipe, Benjamin Chelvanich, Greg, Oumar, tout le monde, tu vois, Marine, Pauline, Jamel, tu vois, tout le monde, c'est des gens avec qui on s'entend super bien. Mm-hmm. On a mis une belle machine, tu vois, on a un bel appareil, tu vois, qui fonctionne bien entre eux et nous, entre la crime et moi et eux. Et donc voilà, et ben j'y me suis un petit peu, tu vois, sur les projets un peu fous comme ça. Et donc là, on est encore dans la production de ce projet et je pense que ça va arriver pour l'année prochaine. Tu vois. Et vous allez le sortir en France aussi? On va le sortir en France aussi avec, ça peut le faire, ça ouais, avec des artistes français aussi. Avec des artistes français, ouais. Ok. Donc il y aura une version Kenry et une version française ou pas? Bah, l'idée pour moi, tu vois, toujours de garder ce pont, tu vois, entre la France et les US, c'est de casser aussi ce truc-là, de, tu vois, si la version elle est là, bah, c'est la version qu'on aura fait tous ensemble. Ouais, okay. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Bien entendu, tu vois, la crime sera dessus, normal. Et après, il y aura d'autres artistes. Avec qui on va collaborer, je pense. T'as pensé à des artistes français, là? T'as des artistes français en tête, là? Ouais, j'en ai quelques-uns, ouais. J'en ai quelques-uns, mais... je crois que je galère plus à ramener des artistes CFRO que des artistes qu'un, maintenant, sur mes G-Pro. Non, mais tu vois... Ouais. Mais voilà, quoi. Et,
Et dans la manière de bosser, tu vois, il y a tous les potos avec moi. Parce que j'ai développé aussi d'autres trucs en France, tu vois, plus en électro, avec ouais. Brodinski, avec Club Cheval, tu vois. J'aime bien cette idée de... Non, mais toi, t'es c'est éclectique, toi. Voilà, tu sais, tu fais ce que tu veux. T'es un producteur de son, donc mais t'es pas fermé dans une catégorie. On a un nouvel artiste aussi qu'on a signé chez Columbia, qui s'appelle Sam Mayer. Ouais. Souvenez-vous bien de ce blast, parce que c'est un tueur. Genre, il chante de ouf. Et voilà quoi, et je suis content si tu veux de la tournure des événements, tu vois, entre nous tous, c'est une famille qui grossit, tu vois, et moi je suis un peu l'épicentre du truc, je veille bien à ce que tout monte en même temps, tu vois ce que je veux dire, et que personne se sente lésé, et que tout le monde se sente bien, tu vois, et qu'on fasse des bons trucs, tu vois, par exemple sur Repro, je suis super content de ce qu'on a fait tous ensemble, parce que c'est important aussi quand t'as fait, tu sais, j'ai 15 ans de métier moi là-dedans, et arrive à un stade, c'est où t'es dans le partage, tu vois, et tu kiffes, où t'es aigri dans ton coin et tu parles au passé, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Nous, les deux fois, on a interviewé Rick Ross, nous a parlé de toi, ouais. Sans qu'on lui parle de toi. Ah, Rick Ross, c'est la mif. Shout out to Core 2, dope producer, I like working with him, so I wish everybody the best, you know what I mean? Quel Quinry tu comptes ramener sur son prochain projet? En fait, le délire des Quinry, si tu veux, tu vois, sur Corleone, dans un premier temps, et c'est comme ça que nous on bosse, si tu veux, c'est que on pense jamais à l'aspect, quand on est dans le process de création, tu vois, on pense jamais à l'aspect business, en fait. Faut qu'on délivre la galette, tu vois, et qu'on kiffe notre son, tu vois, comme des petits golemons, tu vois, en studio, à kiffer le truc. Donc, si tu veux, ce qui se passe à chaque fois, c'est que c'est les prods qui guident les feats, en vrai. À part sur Corleone, pour le morceau Hawa, si tu veux, Lacrim m'a dit voilà, moi j'aimerais bien faire un morceau avec French. Et donc de là, c'est moi j'ai produit, j'ai fait le son, mais j'ai fait le son en sachant, tu vois, que c'était pour French, tu vois ce que je veux dire, et donc ça collait direct. Pour le Durk, pareil, il voulait Durk, et là ça s'est fait quasiment tout seul, dans le sens où Belek il avait la prod, et la prod, on n'entendait que Durk dessus, quoi, tu vois, c'était évident pour nous que ce serait lui. Et après, moi, de par les relations que j'ai avec eux, tu vois, et qui dépassent, tu vois, le cadre juste du biz ou quoi, c'est vraiment des gens, tu vois, avec qui je chill. Je suis la moitié de l'année là-bas, tu vois, je repars, je reviens. On s'est posé, et eux-mêmes, tu vois, quand ils ont écouté les sons, ils se sont dit, ouais, normal, en fait, tu vois ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire, il n'y a rien qui est tiré par les cheveux, en fait, tu vois. Tellement j'ai tout baisé. Moi ce soir je suis en pleine forme. Je crois que je vais un laisser. J'ai passé ma nuit à l'hôtel en plein sur la croisette. Elle est belle avec de belles formes. Demain je pars en croisade. Ah oui, je m'en sais faire des ennemis. Je pourrais être trop de mon Rolex. Monter sur un Z-Mi. Dealer taillé avec leur mère sur un selfie. Frérot, ça n'est pas un film. Si je rappe pas ton avis, si je calibrais dans ma vie. Pour parler du prochain projet de Lacrim, bon, ça va dépendre de plein de trucs, tu vois, comme vous le savez, tu vois, la situation elle est quand même assez particulière, mais ouais, on a, comme on fait que monter dans les tours, si tu veux, au niveau des feats, et sans considérer le feat, tu vois, comme une finalité, nous, ou le Graal, de se dire, ah ouais, on a un Quinry, machin, non, c'est, au contraire, on vient démystifier ce truc-là, en disant, voilà, tu sais, c'est... Ouais, c'est ce qu'il nous est dit aujourd'hui, c'est ouais, normal, tu vois, normal, quoi. Tu vois, on fait des morceaux... La gradure qu'on a fait, voilà. On en fait, quoi, aujourd'hui, c'est plus un truc de ouf, quoi, d'avoir créé, et lui, il veut rentrer dans ce truc aussi, où c'est normal, quoi. Voilà, c'est ça, et c'est un peu ce qu'on amène, donc après, ouais, je peux toucher... Je vais pas dire qui je veux, tu vois, mais en tout cas une grosse partie. Tu vois, donc encore une fois, ce qui va dicter les feats, ce sera les morceaux, ce sera les sons déjà, tu vois, et les premières pré-productions qu'on aura, et à partir de là, on ira chercher les trucs, mais toujours dans un but de choquer les gens, tu vois, ouais. Dans un truc positif, tu vois, de se dire non, tu vois, là, la barre, elle a été franchie, tu vois, et c'est... Ouais, on a un petit trio, tu vois, de feat dans le... Enfin, j'ai... Truc pas mal. C'est bon, ça. Truc pas mal, tu vois, ramener un bon délire.